je préférais Axel Bouteille. Ah, c'est pas le top, merci. Hein. C'est trop bien. Il y avait beaucoup de suspense. Ce suspense, les jeunes supporters limougeaux de la Côte d'Azur s'en seraient bien passés, tout comme sûrement l'encadrement de l'équipe, qui est passé par toutes les émotions. Certes, ils savaient qu'un premier match de championnat ne peut pas être parfait, ils savaient aussi que les joueurs devaient trouver leur marque, mettre en place les systèmes, mais ils ne pensaient pas que ce serait aussi compliqué durant les trois premiers quart-temps. La défense limougeaude s'est faite dévorer par les requins d'Antibes. C'était pas un match facile pour un match de championnat. Antibes a eu pas mal d'adresses à un moment donné. Et on a réussi à bien défendre et ça nous a lancé en attaque, je pense, pour le dernier carton. Effectivement, à l'image d'Axel Bouteille, 22 points, Limoges a accéléré dans ce quatrième carton, très très bien maîtrisé. Remporté 30 à 16, il a permis de mesurer tout le talent des nouvelles recrues, à commencer par London Perantes qui a pris ses responsabilités. London, c'est quelqu'un qui veut gagner et elle a accéléré à la fin, donné beaucoup plus de rythme dans le match. Encore, c'était son premier match en France, en Europe. Et pour voir l'intensité, l'agressivité, la façon qu'il faut jouer en Europe, elle va prendre un peu de temps. Et ce soir, j'espère qu'elle a appris un petit peu. Alors que retenir de cette première rencontre? D'abord que les Limougeaux n'ont jamais renoncé alors que par deux fois Antibes aurait pu tuer le match grâce à Gibson, l'ancien Limougeau. Ensuite que cette équipe possède indéniablement des qualités individuelles et quand elle aura trouvé son rythme de croisière, elle devrait ravir Beaublanc. Les supporters pourront d'ailleurs le constater dès mardi soir contre Gravelines.